C'est une expérience unique en son genre. Pour admirer l'une des vues les plus inoubliables au monde, vous devrez franchir des escaliers glissants, des pentes verticales terrifiantes et un sentier extrêmement dangereux qui a été construit il y a des centaines d'années avec des planches en bois. Vous feriez mieux de tenir fermement cette corde, car vous êtes sur le point de découvrir pourquoi ce périple est considéré comme la randonnée la plus dangereuse au monde. Voici comment survivre à une randonnée sur le mont Huashan. Faisant partie des 5 montagnes sacrées de Chine, le mont Huashan n'a pas un, mais 5 sommets. Chaque crête a ses propres obstacles et sentiers risqués. Si vous décidez d'escalader le pic du sud, qui est le point culminant, vous vous retrouverez à 2160 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et pendant que vous gravissez ces marches instables, gardez cette chose à l'esprit. Selon les rumeurs, chaque année, le mont Huashan coûterait la vie à au moins 100 randonneurs. Pourquoi franchir ces sentiers certains mois de l'année serait inconscient? Comment un selfie pourrait-il vous tuer? Étape 1. Connaissez les différents dialectes. Le mont Huashan est situé dans une région reculée. La ville la plus proche est Xi'an. Et nous utilisons le mot « proche » de manière approximative, car il s'agit tout de même d'un trajet d'environ 120 km. Pour faire la route de Xi'an à la montagne, vous devrez d'abord prendre un train à grande vitesse, puis trouver un autre moyen de locomotion pour terminer le reste du parcours. C'est un voyage long et difficile, surtout si vous n'êtes pas familier avec les dialectes régionaux. Assurez-vous d'avoir une application de traduction sur votre téléphone pour vous aider à communiquer avec les locaux. C'est un endroit où vous voulez être certain que tous ceux à qui vous parlez savent exactement ce que vous voulez dire. Étape 2. Choisissez judicieusement la saison de votre expédition. En plus d'être le point culminant, le pic du sud offre également la plus tristement célèbre des randonnées sur passerelle étriquée. Ce passage a été construit avec des planches de seulement 30 cm de large. Ses lattes sont fixées de manière précaire aux parois abruptes de la falaise. Il y a seulement la largeur de 3 poutrelles réunies pour former cette passerelle, ce qui est assez étroit. Vous aurez envie d'attendre les mois les plus chauds pour effectuer ce parcours. En hiver, la montagne peut être recouverte de neige et de glace. Pendant la saison des pluies, en juillet et août, c'est incroyablement glissant. Pour réduire le risque de faire un faux pas et une chute mortelle, les périodes d'avril à juin et de septembre à novembre sont propices à la planification de votre expédition. Étape 3. Ne retirez jamais votre harnais. Pour commencer, vous descendrez la falaise sur des escaliers façon échelle en métal. Vous porterez un harnais semblable à un sac à dos, avec des cordes d'escalade autour de votre torse attachées à des mousquetons qui sont reliés à un câble de sécurité longeant la paroi rocheuse. Les mousquetons dont vous êtes équipés ne sont peut-être pas très jolis, mais ne retirez jamais ce harnais. En 2019, une jeune étudiante a décidé de prendre un selfie pour documenter sa randonnée. Elle a perdu pied et est décédée tragiquement en tombant du sentier, en partie parce qu'elle a décidé de détacher son harnais pour se photographier. Étape 4. Préparez-vous au contact. Souvenez-vous de ces escaliers instables et étroits que nous vous avons montrés? Nous avons oublié de mentionner un petit détail à leur sujet qui pourrait vous compliquer les choses. Ces escaliers et l'ensemble de la passerelle sont un itinéraire à double sens. Pendant que vous descendrez, d'autres feront le chemin inverse. Cela signifie que vous devrez manœuvrer au-dessus et autour d'eux avec prudence. Décalez-vous lentement pour permettre aux autres randonneurs de vous contourner. Ce n'est pas une tâche facile. Déplacer votre mousqueton au-dessus du leur peut être assez effrayant. Certains casse-cou détachent leur mousqueton et effectuent la traversée sans eux, mais il est plus sûr de les garder, surtout quand le vent se lève. Étape 5. Optez pour l'ouest. Si vous souhaitez faire ce voyage unique mais que vous ne voulez pas risquer de mourir sur des planches ou des marches en acier, vous pourriez envisager de faire cette excursion en partant d'un autre versant de la montagne. Alors que les pics du nord et du sud présentent les sentiers les plus intimidants et exaltants, celui de l'ouest est le parcours le plus rapide et le plus fluide. Vous pouvez visiter cette zone tout en vous dirigeant vers le centre du mont Huashan. Et pour retourner au pied de la montagne, vous pouvez prendre un téléphérique. Vous avez réussi à achever la randonnée la plus dangereuse que vous ayez jamais tentée. Maintenant, imaginez que vous réitériez cette expérience sur la plus haute montagne au monde. Seulement cette fois, vous porteriez l'équipement de plusieurs autres grimpeurs. Pourriez-vous être un guide Sherpa? Découvrez-le ici dans Comment survivre.